Ma Mission TV, le miroir du monde.
tribunaux. Vous les dites la mission est Colo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo, la programme naïe à l'Ombaki. Le peuple à bord. Le peuple Yamouana, Yamounani et Eokani Olele. Misala Gole. Nanou Tomunate. En présence de monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à la remise des nouveaux bâtiments scolaires à son excellence, monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, construit ce fonds vert et la présentation de bâtiments. Les bâtiments construits comprennent 12 salles de classe avec pupitres mesurant 60 mètres chacune, 6 bureaux administratifs avec meubles du bureau, une bibliothèque scolaire, des installations sanitaires, un forage d'eau potable avec une capacité de 10 000 litres et plus de 350 mètres linéaires de clôture. De l'affectation et de l'usage de bâtiments. Les bâtiments ainsi construits sont affectés uniquement à l'usage scolaire. À ce titre, ces bâtiments ne peuvent changer de destination, ni être aliénés ou sous-loués à quelque titre que ce soit. Ainsi, les responsables de ces écoles s'engagent à faire bon usage des dix bâtiments dans le respect de l'esprit du donateur honorable Jean-Marc Gabon. De la nature de ces écoles. Les écoles primaires 1 et 2 Mikanga conservent leur nature, celle des écoles conventionnées protestantes, placées sous l'autorité du ministre ayant en charge l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le présent procès verbal est établi pour faire valoir ce que de droit. Ainsi fait à Kinshasa le deuxième jour du mois d'octobre de l'an 2021. Les donateurs, honorables Jean-Marc Gabon. Mission TV, le miroir du monde. Salut à vous tous fidèles de AmAm TV, bienvenue encore une fois de plus ma mission TV, le miroir du monde sur terrain. À travers cette belle émission Allo Congo, les Congolais, Babeleli et le pro-Congo Maman Bibi Kapinga, Nabelelara, Naba Congolais, Nyon Soto défendre bas valeurs, et si Kamala Moezali Tolobela, et si Kamabe Ezali Totelemela, Wane Ezali slogan Nabiso, à ce net moment, Toza na Kisanso, la commune de Kisanso, plus précisément dans le quartier Bikanga, et dans l'école Bikanga. EP1, EP2, où Ezali Bongo réhabilité par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabundo Akabund. Oyotoye Lelo ensemble, Nabino, de découvrir cadeau précieux. Oya Pessi, Nabana Bikanga, Nakatia Kisanso. Et vous allez découvrir donc déjà tout à l'heure Tangobako Katariban. Vous allez aussi suivre son mot par rapport à la population. Il y a Kisanso. Oyo Baepeko assisté na cadeau.
précieux oyo apesi bango ma mission TV le miroir du monde témoin au killer et puis maman Bibika Pingala Pro Congo la femme qui défend de valeurs azana bino mokolo alelo pour que ensemble nabino to découvrir cadeau spécial oyo ndeko Jean-Marc Kabound apesi na bana ya commune oyo mais entre-temps j'aimerais aussi avant même koutou inauguration Topé Riban et Katama. Moi, de mon côté, déjà, vous êtes en train de suivre en illustration la beauté où les alliés ont dégagé cadeau Oyo, Bapesi Bana, Yaki Sanso, Awana quartier Bikanga, Tozana Kati, ya école EP1, EP2, Bikanga, quartier Bikanga, de école Otoye Lelo. C'est une surprise, en fait, pour Nabato Nyonso Balandarabiso, comme on a été maman Bibika Pingalelo, Nakati Akinsenso. Je peux dire, c'est pour la première fois pour moi d'arriver dans cette commune malgré Nenyon Sotoseli na Kinshasa, bien Moussalo et Sungarabiso deux fois et à découvrir Makambo. Mais entre-temps, je signale que c'est un cadeau précieux du premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound Kabound. Il est moto sali cadeau précieux Oyo Nabana Yabikanga, Oyo école Oezali Bongo réhabilité par lui. Donc, tout bien yango cadeau précieux parce que Bana Bikanga Bango Moko, ba témoigner à travers notre micro. Mais entre-temps, vous allez suivre en intégralité la cérémonie ici, Nakati à l'école Bikanga et Bisso, ma mission TV Tokoche Labino Yango en intégralité. Mais entre-temps, je vous invite de suivre déjà l'intégralité de cette cérémonie ici na Bikanga quartier et puis école EP1, EPD où ils allaient réhabiliter par mon amboka Jean-Marc Kabound. Et puis je signale encore à toutes les personnes qui aiment bien le Congo, qui défend de valeurs. Quand vous avez quelque chose, n'hésitez pas de faire quelque chose pour le peuple congolais ou la population de votre coin. Pourquoi? Parce que Bazali ko mérité, comme c'est que Jean-Marc Kabound a fait aujourd'hui ici na école Bikanga. Oui, on peut dire que Ezali exemple à suivre. Donc, on va se retrouver tout à l'heure déjà. Bienvenue président.
Je t'ai
On attend rien, Longo, là, papa. Qui est-ce qu'il cache une nuit? Honorable député de la nation, Excellence, le Premier ministre. Ça vous sert une assise, vous voyez, les chefs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette partie de la juridiction à l'occasion de la remise officielle et de l'inauguration de deux écoles pimpantes neuves par l'honorable Marc Jean-Marc Kaboun. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jean-Marc Kaboun? Votre présence en ces lieux témoigne sans doute de l'intérêt que vous portez à la population de Kisesu
ainsi qu'à ses habitants. Je vous en remercie de tout cœur. La commune de Kisenso, qui a l'insigne honneur de vous recevoir ce jour, compte 17 quartiers. Et elle a une population avoisinant 486 000 habitants. Elle aspire à son développement endogène, mais elle est butée à plusieurs défis majeurs qu'elle doit relever pour atteindre un jour cet objectif, comme le prévoit son plan de développement communal qui va de 2013 à l'horizon 2030. Ces importants défis sont entre autres les érosions, l'enclavement, la desserte en eau et l'électricité, l'accès aux services sociaux de base, ainsi que l'oisiveté de jeunes. C'est ici l'occasion et le lieu de féliciter chaleureusement l'honorable Jean-Marc Aboun pour être venu à la ressource de cette jeunesse paupérisée en mettant à sa disposition deux écoles pompantes neuves pour assurer son éducation et son instruction. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois pour l'honorable? La commune de Kisenso ne cessera jamais de vous être reconnaissante pour le geste que vous venez de poser. Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Merci. La Bible qui est la parole de Dieu, car c'est lui qui a le vouloir et le faire. Ensuite, il nous est vraiment impossible pour nous de dédicacer ces beaux bâtiments sans pour autant prier pour l'honorable Jean-Marc Aboun, cet homme qui porte, qui cesse dans le sang. Voilà, nous aurons deux étapes. Un, nous allons prier pour l'honorable Jean-Marc Aboun et ensuite nous allons dédier ces beaux bijoux. C'est pourquoi j'aimerais d'abord lire un passage de la Bible dans 1 Samuel chapitre 18. Nous allons lire le premier et le troisième verset. Je lis au nom de Jésus. Dès que David eut achevé de parler à Saoul, Jonathan s'attacha à David. Jonathan l'aima comme lui-même. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Chers honorables, chers députés, la loyauté et le dévouement qui caractérisaient l'attitude de Jonathan envers David étaient révélateurs des genres d'amour qui peut déboucher sur un pacte. C'est pourquoi nous, serviteurs de Dieu de Kisenso, aujourd'hui nous concluons une alliance avec l'honorable Jean-Marc Aboun, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nos âmes sont liées à votre âme. Nous vous portons dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous vous prions, chers honorables, de vous lever, les serviteurs de Dieu, pour prier tout en levant les mains vers vous pour ce que vous faites pour la commune de Kisenso. Voilà, j'invite le révérend Phil pour conduire cette étape de la prière. Bien-aimés, nous allons maintenant recommander au premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Aboun, entre les mains de Dieu, afin que l'œuvre de générosité qui a commencé ici puisse continuer et que Dieu lui comble des bienfaits, des pouvoirs, de puissance, de l'argent pour continuer son œuvre. Prions le Seigneur. Tous ensemble,
Ô Père éternel, notre Dieu, nous voulons en ce moment recommander ton serviteur, notre demeure, que tu as envoyé au Seigneur, notre Dieu, pour qu'il puisse, ô bien-aimé, ton Seigneur, notre bien-aimé, continuer à faire cette œuvre de générosité, construire l'école pour que les enfants puissent étudier. Sois le Père, sois glorifié, sois béni, Seigneur, comble-les de toute grâce, de toute faveur, de toute sagesse. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre roi. Nous voulons encore maintenant recommander cette œuvre entre les mains de Dieu, cette école. Et ainsi, tous ensemble, nous prions pour cette école, pour les dirigeants, pour les enfants et les parents qui vont envoyer les enfants ici. Prions le Seigneur. Quinto, enfin,
vous avez réalisé un forage d'eau potable avec une capacité de stockage de 10 000 litres, s'il vous plaît. Ces édifices tels que énumérés représentent la partie visible de votre donation. Cependant, il y a également une partie non visible qui est une magnifique leçon d'auto-prise en charge du peuple congolais, cibler ses propres besoins et financer, les exécuter et en jouir pleinement. Ainsi donc, honorable, je vous remercie pour cette lueur d'espoir que vous suscitez en nous. Monsieur, madame, les invités, je vous remercie. Chef de l'EPA et de l'UQAM, à son excellence l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, c'est un honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre établissement scolaire EPRED l'UQAM. L'école existe depuis 1967. En 1972, mes parents ont construit le bâtiment que vous voyez en emportant chacun des briques. L'école a connu beaucoup de catastrophes liées à l'intempérie. La dernière était l'écroulement du mur de classe. Suite au réassèlement des eaux de pluie, Papa Jean-Marc Kabound, c'est Dieu qui vous a envoyé chez nous pour nous apporter un soulagement, le peuple d'abord. Chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la gratuité de l'enseignement, nous sommes reconnaissants à Dieu pour votre implication personnelle dans la réalisation de ce projet de construction de nouveaux bâtiments pour notre complexe scolaire. Que le bon Dieu vous protège et vous accorde plein de ses responsabilités. Vive la République démocratique du Congo. Vive le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je lis et je vous. Vous avez consenti à rehausser de votre présence cette cérémonie grandiose de l'inauguration de nombreux bâtiments, donnant à un point en douté une nouvelle configuration de notre complexe scolaire. Honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, cette grande œuvre, nous vous la devons, car elle sort de vos propres mains. À titre de don à la population de Kinshasa, une partie du district du Mont Amba, votre fief électoral. Nous, corps enseignants de ce complexe scolaire, vous exprimons du fond de nos cœurs nos remerciements les plus chaleureux et notre indéfectible attachement à votre auguste personne pour avoir honoré votre promesse faite lors de la campagne électorale en dotant notre complexe scolaire de ces magnifiques bâtisses. Cela constitue une réalisation palpable qui fera l'honneur et la fierté de notre contrée et qui décomplexera notre jeunesse pour laquelle vous devenez incontestablement un grand mécène culturel. Honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur de l'Intérieur, Sécurité,
décentralisation et Excellence, Monsieur le ministre du gouvernement central. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Madame le secrétaire général à l'EPST ici représentée. Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation. Monsieur le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Monsieur le coordonnateur des écoles conventionnées protestantes. Monsieur le directeur provincial à l'EPST Mont-Am. Madame le sous-préfet de l'EPST Saint-Sauveur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives et respectives. Aujourd'hui, comme vous le remarquez, l'enceinte du complexe scolaire vibre et brille de ses mille feux jamais connus auparavant dans son histoire. Et ce, grâce à ce don magnifique obtenu de la part de l'honorable Jean-Marc Kaboun Akaboun, premier vice-président de l'Assemblée. Vous exprimez notre profonde gratitude et de vous rassurer de notre indéfectible soutien. De même, nous vous prions humblement de transmettre à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatshi Béton. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Président de la République? Nos sincères remerciements pour l'attention particulière dont il fait montre à l'égard de la population de notre contrée. Nous voulons par la même occasion inviter les gestionnaires de ces deux établissements. Merci beaucoup. Merci. En attendant, les amis. Honorable vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Pambate Moussala Asali Awa na SIC Bikenge Ezali Monene Mingi Makasi. La mort de Rosenga na Bino, bon mettez ma boko Makasi. Merci. Merci. Merci beaucoup. La Banzi Kobanda. Bomwana, la botame de Kinshasa, la koli na mboka oyo, et la baniko nuna, la moli mosala ya kitoko bolite na mboka Kinshasa, oyo, moto yemoko, asimbi, azu no mea na poche na ye, pe arubi akanisa bandeko baye. Ezali signal moko ya monene ya makasi oyo esengeli ba politicien nyonso ya République démocratique du Congo balanda. Ba politicien na Congo bazali plus de 3000 pour bazala misala ou bazala ba fonction. Soki politicien moko na moko
Alobi Atonga école, Atonga hôpital, la Bazi développement de la Bisso, et Kokende Narumbango Ligue. Président de l'Assemblée, vice-président de l'Assemblée nationale, Alexis Bolingo, Alexis Lumemia, et Alati Maloba, Yatata Mokonzi, président de la Bisso Ecolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo, la programme Naye Alubaki, le peuple à bord. Le peuple, Yamouana, et Mounani, et Yokani, Polele, Misala Abole, Nanou, Tomunate, et c'est qui tout le bien à Yamou. Tomoni Yamou, la Kisensou, et Tuebike, et Kosuka Awate, Misala Aboye, Bissot, gouvernoral, y a Kinshasa, Toko, accompagné Yamou, et Bandeli, Tisuka. Papa Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, Longonia Akasi. Et Pessibisso et Sengo, Nakati Amitema, surtout Bisso Banayambo Amba. Nigeto Sanganiawa, Baïke, Nabandi 90%. Oh, Bazali, Awa, nous allons parler à moi. Il dépasse. Alors, vous avez dit que Yokosuka Awate, Yokosuka Awate, Aokinango, Nabanzalemba, Nalivuru, et Nabakate Mistusu. Main d'œuvre locale dans le Bézabana Kisenso. Yangwana, Torostena, Papa Kabound, Oumela. Merci beaucoup. Et le président Jean, le président Charles Lekasanka est derrière vous. Oh Longwana Zela, Zela Kabunda Kota, Fimboa Kekele, Longwana Zela, Longwana Zela, Kabunda Kota, Fimboa Kekele, Oh Bangwa Kuna Baso Chimae, Fimboa Kekele, Oh Bangwa Bano Baso Bangae, Fimboa Kekele, Oh Bangwa Wana Baso Chimae, Fimboa Kekele, Oh Longwana Zela, Longwana Zela, Les maîtres nous sont. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, je tiens à vous remercier sincèrement pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup parce que vous êtes des responsables, vous avez daigné venir répondre à cette cérémonie
nonobstant tout ce que vous avez comme responsabilité d'État. Après tout ce qui a été dit du haut de cette tribune, je ne peux que dire, comme disait Auguste César, Vini, Viti, Viti. Je suis venu, j'ai vu et j'ai accompli. Je ne saurais plus rien dire parce que l'essentiel a été dit ici. Hein? Parce que la parole m'a été accordée. Laissez-moi glisser un mot. Notre société deviendra ce que nous-mêmes, nous voulons qu'elle devienne. Ce que sa classe politique a comme vision sur elle. Ces bâtiments que vous voyez, je les ai construits pas parce que je vise un gain demain. Ce n'est pas pour des raisons électoralistes que je puis faire une œuvre aussi grandiose comme ça. Cette œuvre vient du fond de mon cœur. Je suis aujourd'hui président AI de l'UDPS. Vous le savez tous, notre parti est un parti socialiste. Je suis socialiste par conviction. Je compte plus de des décennies au sein de ces partis. Donc, je ne pouvais que faire ça parce que c'est ça même la raison de mon existence dans la classe politique. J'ai aussi fait cette œuvre pour accompagner, soutenir la vision du chef de l'État. Cette vision incarné par le slogan qui est devenu aujourd'hui emblématique, le peuple d'abord. Le peuple d'abord ne doit pas être un slogan creux. Pour nous, il est vivant. Le peuple d'abord, c'est une vision vivante qui va changer ce pays. Et en tant que président du parti au pouvoir, je ne peux que donner le ton. Moussale le Kamaloubani Bélé. Yangowana, surtout ça, président. Yangowana. Je soutiens le chef de l'État. Je soutiens le chef de l'État. Oui. Vous soutenez le chef de l'État. Mais concrètement, c'est ça ma contribution à la vision du chef de l'État. Toujours. Je l'ai fait. Vous allez constater que cette œuvre contraste avec le milieu. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ces milieux urbano-ruraux. En fait, je veux passer une mission à travers cette œuvre au gouvernement, très chers membres du gouvernement. Nos enfants qui vivent dans les milieux reculés, dans des villages lointains, dans des communes urbano-rurales, ont droit d'étudier dans de bonnes conditions. Ce n'est pas parce qu'ils sont au village ou qu'ils sont dans des milieux reculés de Kinshasa qu'ils doivent étudier à même les sols en dessous de rameaux. C'est inacceptable. Les enfants du village, ceux qui vivent au village, ceux qui vivent dans des milieux urbano-rural, doivent étudier dans les mêmes conditions que ceux qui vivent à la banlieue. C'est ça le socialisme. Qui est d'arrêt rare dans notre société. Le professeur Kamana, dans son ouvrage, la RDC est à inventer, paru en 2008, disait ceci. Il disait que la RDC est devenue une société sans intelligence pour avoir tué les conditions et les bases même de l'intelligence. Jacques Chouaboua Kadudjichini, qui paraphrasait ses propos dans son ouvrage,
qui dit dans son ouvrage que je viens de lire il n'y a pas longtemps, l'invention de l'UDPS, déclin du FCC, enjeu de pouvoir et refondation de l'État, renchérit en disant, je pense aussi que les intellectuels et les dirigeants politiques congolais ont le devoir de réhabiliter les infrastructures et les ressources de l'intelligence. Il continue, il dit, ils doivent également le placer au cœur de nos transactions politiques, économiques, sociales et culturelles quotidiennes dans le but de poser les bases des refondations d'une société gouvernée par les rapports d'intellectualité. Je vois certaines personnes sont choquées parmi vous. Comment le premier vice-président de l'Assemblée peut dire ça? Il a dit ça dans la tribune. Je suis convaincu, je suis d'accord avec ces deux intellectuels. Notre société doit absolument bénéficier de l'apport et la gouvernance qui, d'ailleurs, est assurée par des intellectuels et cette gouvernance doit répondre aux besoins du peuple. Nous devons construire aujourd'hui une société basée sur la solidarité, le partage et l'amour. On ne peut pas comprendre que dans une société riche comme la nôtre, il y ait des très riches, des personnes très riches et des personnes très pauvres. Il y ait des enfants qui étudient dans de très bonnes conditions et les autres qui étudient à l'air libre. À même les sols. Je dois vous dire que lorsque je suis venu dans cette école, à mettre les fournitures scolaires pour en 2019, j'ai fait couler mes larmes parce que chaque fois qu'ils menaçaient de pleuvoir, les enseignants étaient obligés de libérer les élèves. Après cette cérémonie, vous ferez bien de visiter ces bâtiments. Inacceptable dans une société des hommes et des femmes aussi assurés. Et je fais cette œuvre pour dire que tout ce que nous avons, nous ne pouvons que les donner à cette société qui nous a vu naître. Cette patrie que nous avons en commun. Je l'ai fait parce que beaucoup de ceux qui sont sur Internet vont poser des questions. Mais j'anticipe déjà. Moi, j'ai l'obligation de faire ce que j'ai fait. J'estime que c'est une obligation. Mais le moyen, je suis député national, premier vice-président de l'Assemblée. En tant que socialiste, je me suis décidé de partager tout ce que j'ai gagné comme premier vice-président. 30%, j'ai alloué ça à mon parti. 30% au social du peuple et 40% pour ma famille. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je suis sincère avec ce que je vous dis. Je dis souvent à mon épouse que le plus grand bonheur qu'on aura sur cette terre des hommes et dans ces beaux pays que Dieu nous a donné, c'est de faire du bien à ces peuples. Ces peuples clochardisés. Ces peuples qu'on a contraints à la souffrance, à la misère, suite à l'irresponsabilité de tous les dirigeants qui se sont succédés avant notre avènement. C'est ça. Alors, parce que nous voulons construire une société équilibrée, une société équitable, je m'en vais ici vous dire qu'il y a certaines choses que nous ne devons pas accepter. On vous a dit, l'ingénieur qui a construit ces bâtiments vous a dit, oh, regardez, c'est plusieurs projets ici. Il y a cette école de 12 salles, de 64 mètres carrés chacune, un bâtiment administratif, une clôture de 355 mètres linéaires, les installations hygiéniques, un forage à 350 000 euros. Il y a 3 jours, j'ai discuté avec un responsable politique de ces pays autour de ces projets. Quand je lui dis le montant, tout de suite il est scandalisé. Il me dit, président, c'est pas vrai. Est-ce que c'est que tu dis vrai? J'ai dit, mais oui. Il dit, mais président,
As-tu appris qu'il y a un projet de construction de 350 écoles ? J'ai dit oui. Mais ce n'est pas ce que tu dis. Ce projet, vous vous en douterez. D'ailleurs, qui consiste à la construction des écoles préfabriquées, pour un montant de 450 000 dollars, ces gens vont construire 6 salles de classe, plus petites que celles que moi j'ai construites, sans les annexes que moi j'ai faites. Vous imaginez? Et c'est de cette façon que nous allons soutenir la vision du chef de l'État dans ces contrats. Mais quel type de société nous voulons construire? Honorables députés, vous êtes là, vous m'écoutez. N'attendez pas que l'IGF tombe sur les dossiers. Vous commencez à dire non, l'IGF tombe sur les dossiers. Voilà un dossier que je veux. Yoka, c'est incroyable. Président, bis. Bis-président. Ce projet-là. Andela Maloba, le président, bis. Ce projet-là, il n'atteint pas le 50% de ce projet, que ce soit en quantité, en qualité, puisse coûter plus que ce qui est fait ici. D'où, ça crédite ma thèse du détournement scientifique. Derrière les contrats publics, les dirigeants, certains dirigeants n'ont pas tirer les leçons des procès qui se sont déroulés dans ce pays, ils continuent à voler l'État à travers les contrats qu'ils ont le pouvoir de signer au nom de l'État. Je l'ai dit avec Morgan Lang parce qu'il n'y a pas 3 jours. J'ai dit encore que c'est au conditionnel. Il va falloir que le député national puisse mettre toutes les règles là-bas pour qu'on tire les choses au clair. Et s'il s'avérerait que cela est vrai, en tout cas, on voudrait voir un autre procès. Eh bien, les gens diront, mais quand vous êtes toujours comme ça, mais quel type de société nous voulons construire? Une société pauvre, que des individus se permettent de voler des millions. Et nous, nous allons nous taire. Loba, Yango, papa. Loba, papa, Loba. Loba, Yoka. Ce projet de 350 écoles. Papa, moi, j'ai encore une fois. Une société basée sur le partage et la solidarité. Nous qui avons appris le côté du leader Simon, nous avons ça dans notre ADN. Le chef de l'État a besoin de ça. Il a besoin d'une classe politique, des gens qui prennent conscience que ce pays, c'est tout ce que nous libérons à des générations futures. Quelle que soit la fortune qu'on doit amasser aujourd'hui ou demain, nous finirons par laisser. Parce que Kinshasa ici, c'est qu'on fait l'histoire de Kinshasa en 60, en 70, ils ne sont plus. Ils existent, ils ne sont plus de ce monde. C'est une autre génération. Et si nous pouvons comprendre que nos actions, tout ce que nous ferons de bon pour ce peuple, restera gravé dans la mémoire de cette population et de cette ville, par le boucher de notre pays. Alors, je voudrais citer ou demander aux bénéficiaires de cette œuvre d'en faire bon usage. Non seulement d'en faire bon usage, mais aussi de correspondre à la qualité de l'enseignement à la qualité de cet ouvrage. Hier, les enfants étudiaient même les sommes. Lorsque la pluie menaçait, on les libérait. Et aujourd'hui, ça ne sera pas le cas.
les enfants pouvaient, les enseignants étaient nonchalants, moins motivés parce que les conditions n'étaient pas bonnes. On veut, c'est de voir les enfants des Kisenso étudier comme ceux de la Gombe. Je vais passer de temps en temps ici pour veiller aussi à ce que ces bâtiments soient bien gardés, qu'ils soient utilisés normalement, mais aussi que la qualité de l'enseignement soit au niveau, atteigne le niveau de ces bâtiments. Assis le représentant du ministère de l'EPST ou du secrétaire général mentionné protestante KDC. Veuillez vous asseoir. Nous procédons à la signature de cet acte. Et je vais vous le lire une extension. L'an 2021. Le deuxième jour du mois d'octobre, j'ai sous-signé honorable Jean-Marc Kabout Akabou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, à le présent procès verbal, avoir procédé ce jour en présence de monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa à la remise des nouveaux diplômes scolaires à son excellence. Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, construit ce fonds propre et la présentation de bâtiments. Les bâtiments construits comprennent 12 salles de classe avec pupitres mesurant 60 mètres chacune, 6 bureaux administratifs avec meubles du bureau, une bibliothèque scolaire, des installations sanitaires, un forage d'eau potable avec une capacité de 10 000 litres et plus de 350 mètres linéaires de clôture. De l'affectation et de l'usage de bâtiments. Les bâtiments ainsi construits sont affectés uniquement à l'usage scolaire. À ce titre, ces bâtiments ne peuvent changer de destination, ni être aliénés ou sous-loués à quelque titre que ce soit. Ainsi, les responsables de ces écoles s'engagent à faire bon usage des dix bâtiments dans le respect de l'esprit du donateur honorable Jean-Marc Kabout Akabou. De la nature de ces écoles, les écoles primaires 1 et 2 conservent leur nature, celle des écoles conventionnées protestantes, placées sous l'autorité du ministre ayant en charge l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le présent procès verbal est établi pour faire valoir ce que de droit. Ainsi fait à Kinshasa, le deuxième jour du mois d'octobre de l'an 2021, les donateurs, honorable Jean-Marc Kabout Akabou, les ministres de l'EPSP ici représentés, en présence de monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa et de monsieur le coordonnateur des écoles conventionnées protestantes. Est-ce qu'on peut applaudir? Bravo.
Chama Kabunda. Merci beaucoup pour cet acte. Après cette signature, nous invitons immédiatement l'honorable premier vice-président du grand Aniro. Reste Zonga Sima, Mama Zonga Sima. Zonga Sima, Papa. Yeah.
grand-père.
Nauti kuro bangwa, ni kuleleki tu yambaki re distingue dam. Ayaki na dingi dingi, ona ko pesa biso ekolo mibale. Lelo zali tour ya honorable Jean-Marc Kabund, to félicité ye, to pesie longonya. Bamba taka nisi jeunesse na biso ya kisenso, oye zali na ba moyen te. To kosenga na jeunesse nango ba bayi ba kobati lelo kwa yangu malamu.
Kouna. Yaya, non, voici. Mission TV, le miroir du monde.